Yo les poulets, comment ça va bien ce soir? Alors, ce soir, le programme, petit programme légèrement chamboulé par rapport à ce que j'avais prévu, parce que je vous avais promis du Joker pour ce soir, un Joker un peu darky, tout ça. J'ai toujours prévu au programme, pas de soucis, mais j'ai oublié d'intercaler un petit projet entre deux, tout simplement parce qu'il faut que je le finisse pour le TGS qui a lieu dans 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines, je sais plus. Donc c'est un petit projet qui ira vite, hein, ce sera pas très long, mais bon, il y aura plusieurs lives quand même. Où le but ce sera de, si vous vous rappelez de ce sujet, qui est un Gundam qu'on a travaillé sur la chaîne dans le tuto peinture effet Candy, qui était un effet un peu métal sans utiliser de peinture métal. Et bah du coup, on va réaliser un socle pour ce petit Gundam SD, pour l'exposer sur place. Donc le socle, ce sera un socle effet, un petit socle un peu lunaire. Le but, c'est ouais, c'est d'avoir de la lune. Salut Loulou, tu vas bien, monsieur? Donc on va y réaliser un petit socle, donc ouais, un sol lunaire tout simplement, quoi. Donc pas besoin de faire un truc gigantesque, puisqu'on est juste sur une figurine, juste un petit machin pour la mettre en scène, c'est très bien. On va la surélever, elle touchera pas le sol. Donc j'ai déjà préparé, j'ai cherché d'avance. Tige qu'on utilisera pour ça, qu'on va enfoncer dans le cul et qui la tiendra en l'air, comme ça on donnera la sensation qu'il vole au-dessus du sol. Alors elle sera pas transparente simplement parce que j'en avais pas et que le peu de temps que j'ai pour le faire, je n'ai pas le temps de commander quoi que ce soit. Alors vous voyez le fisheye, on sent la déformation du truc, ça me fait marrer. Donc on fera ça avec du blanc et non du transparent. Bah écoute toi, moi ça va tranquille, tranquille ou tranquille. J'adore la peinture, j'avais vu la vidéo à ce sujet. Eh bah écoute, là tu le retrouves là. C'est moi je l'ai récupéré ce week-end parce qu'il était sur Marseille en fait. Et j'ai récupéré ce week-end au Eurofestival et là il est de retour. Donc voilà. Donc pour l'instant on va le pousser. Mais là tout de suite on va pas s'en servir immédiatement. Hop, on va se mettre sur la petite étagère. Voilà. Donc le but dans un premier temps, ce sera avec ça, je les ai déjà prédécoupés, mais vous m'avez déjà vu réaliser des duos avec ça, c'est qu'on va réaliser un petit encadrement de duo avec alors ça, ce sont des baguettes d'angle pour les murs quoi, qu'on peut trouver chez Cassol ou Romerlin. Baguette qui fait 2 mètres, ça doit coûter 1,50 € une carrière comme ça. Qu'on en mettra 4 pour faire un carré et le Gundam dedans avec un petit sol lunaire, et ça on les peindra en noir à la fin. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on va essayer de les coller, on va les maintenir ensemble. Ensuite on va découper dans du polystyrène toute la partie qui ira à l'intérieur, sur laquelle reposera le diorama. Et puis voilà, déjà on va commencer par ça maintenant. Alors je sais que je vais avoir besoin de ça, on va avoir besoin de colle à bois fatalement. Les petits picots, ils seront poncés, tout ça, ultérieurement le ponçage, ça va, la colle sera sèche. Tac, 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 un petit pinceau de merde, voilà, c'est parfait pour la colle. Hop, nous avons besoin de faire ça. On va se préparer quelques petits morceaux de truc chose là, de scotch. Je vais y arriver, voilà, je prépare des petits morceaux de scotch à l'avance. On utilisera au bon moment. Voilà. Et le dernier, voilà. Normalement, ça devrait suffire. Donc, je vais mettre plus en position pour voir ce qu'on fait. Voilà. Donc. Hop, l'avantage c'est que c'est cru, donc on va pouvoir insérer une plaque à l'intérieur pour faire le sol de notre diorama. Donc tac 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 tac. Et j'ai pas pensé à faire de pub en début de journée pour annoncer le live de ce soir. Bon, c'est pas grave, mais ça fait que fatalement il y aura moins de monde. Oui. Ça qu'on va. Thank you.
mettrai la colle après. Hop, pareil pour celui-là. On va se mettre ceci. Assemblé, ça nous fera un joli carré, un joli carré ici, un joli carré. Ouais. Donc, on va en mettre de la colle un peu partout. Je vais en mettre là, hein, histoire de. Hop. Faut pas hésiter à mettre, genre, entre guillemets, beaucoup de colle. Que la colle fasse bien jointure partout et qu'il n'y ait pas de trous dans nos joints. Ce sera plus facile après lors de la. Que ce soit du ponçage ou de la peinture, on verra pas de. On verra pas de trous. Les trous dans les jointures sont toujours assez disgracieux. Hop. Hop, on va mettre un autre ici. Voilà. Ensuite, on va le mettre dans l'autre sens et on va pouvoir couper. Petite plaque de poly qui ira à cet endroit là, il va s'incorporer dedans. Donc ça veut dire que notre plaque de poly, on va la présenter ici. Prendre de quoi tracer. Là on a de quoi tracer ici, ça c'est bien. Hop. Voilà. Il est possible qu'on doive couper un peu plus petit. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais ça, ce n'est pas grave. Voilà, viens là. Voilà, le scalpel qui traîne ici. Toc. La shirt dit. Au fait, j'ai parlé de ton coup de pub à Shinsekai. Ah, c'est toi! J'ai jamais fait rapprochement entre toi et ton vrai nom. D'accord, ok. Écoute, merci. Un peu comme tu m'avais demandé. Et il te remercie, il te passe le bonjour. Bah, bonjour, monsieur Shinsekai. Je suis au dodo et je ne me donne pas 10 minutes avant de dormir. Mytho. Salut Romanovitch, tu vas bien? Ouais, j'avais jamais fait rapprochement entre toi et ton vrai nom. Je ne citerai pas ton vrai nom, ne sachant pas si tu veux le savoir. Mais j'avais jamais fait le rapprochement. Hop. Pour coup, du coup, Shinsekai, normalement, je la verrai au TGS, donc comme ça, je pourrais leur montrer en vrai le projet. Parce que, bah, fatalement, ils l'ont pas vu. Toc. Voilà. Alors, on va voir s'il passe ou est-ce qu'il faut. Petit qui doivent encore le réduire un poil. On va bien voir. Ouais, on le réduira encore un poil. Mais ça c'est normal, j'avais prévu le coup. Ensuite, on va pouvoir causer du duo qu'on va réaliser ce soir. Je rappelle pour ceux qui désirent qu'il y a un Discord d'ouvert, pour ceux qui veulent papoter en vrai. Enfin, en vrai.
de bivouac, parce que techniquement vous êtes aussi en vrai sur le chat textuel. Il faut encore que je réalise un petit peu. Beaucoup, il faut encore réduire un petit peu. Du coup, c'est qui que t'as vu chez Shinsekai? C'est Biel, le patron, ou c'est quelqu'un d'autre? Toc. Voilà. Normalement, si je fais ça, ça va être bon. Voilà. Et là, ça va nous faire la base pour poser notre diorama. Donc, je vais le coller dessus, comme ça, ce sera fait. Pas comme ça, de toute façon, parce qu'il faut le coller dessus. On va chercher, midi à 14h. Il faut le coller dessus, de toute façon. Donc, un bon petit pattern colle, quand même, histoire de que ça prenne bien et tout. Puis comme ça, ça va bien aider notre sujet à, ne, à notre, notre partie en bois à ne pas bouger. Je rappelle, ce genre de bois, ça coûte que dalle, les gars. Vous pouvez faire des contours de diorama vraiment pour pas cher, en fait. Vraiment, j'achète une baguette, ça a coûté 1 euro, 1,50 euro les 2 mètres, ça coûte que dalle. Et si vous faites des petits cercles comme ça, vous en faites plein. Hein. Ça, pour faire ça, j'ai pris une chute, pour vous dire, c'est juste une chute du bordel que j'ai utilisé. Donc voilà. Après, je crois qu'il va manquer 1 mm de haut. En fait, là, je crois l'épaisseur que j'ai là est 1 mm plus haute que mon poli. Donc, au pire, pour bosser, je vais rajouter un petit peu de scotch en dessous, histoire de compenser le truc le temps du séchage. Mais une fois que ce sera sec, on sera tranquille. Bonne question. Est-ce qu'il y avait un rebeu dans l'eau? Est-ce que le patron, c'est un rebeu? Sinon, il y a un gros black, enfin, gros, un gros balai, je veux dire, qui est super gentil. Après il y a un black un peu rasta super cool. Je sais qu'il y a un blanc, mais après je connais pas leur on se connaît tous, qu'on se croise, machin de souvent, mais je connais que le nom du patron en fait. Hop. Voilà. Donc ça c'est bien. Voilà. Je vais mettre un autre coup de scotch pour le serrer un peu plus parce que là ça m'a pas l'air assez serré à mon goût. Scotch qui sert plus. Des petits plus que je promets en français. Oui, bah les deux premiers que tu as dit. Donc un rebeu et un renois assez balèze. Ok, d'accord. Ouais, bah c'est le patron. Et le renois, il peut être assez, il est super gentil. Il a une voix qui assez percutante comme le gars. Il est super gentil ce gars. Pareil, c'est des gens, ça fait des années qu'on se voit sur convention, tout ça, ils sont super gentils. D'ailleurs, si tu cherches bien, tu peux même le voir dans mon vlog. Sur la de la mire, il apparaît dedans le renouveau en question. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, toc, voilà, comme ça on est sûr que ça séchera bien. Ça sera pas compliqué à retirer, même si la colle prend un peu dessus, c'est pas grave, c'est pas un truc qui sera compliqué à retirer. C'est ça qui est bien aussi. Mais oui, il y a le chien qui grogne, enfin il grogne, c'est pas qu'il grogne, c'est qu'il fait des bruits chelous des fois quand il est genre oh je suis bien, je dors, j'ai l'impression qu'il grogne. Voilà. Ah tu pètes. Ah ma pépette, oui, parce qu'il y a ici on a pépette là-bas qui fait dodo. La pépette qui fait dodo ici. Donc voilà. Toc toc. Donc nous avons notre petite base. Quoique je sais même pas s'il y a besoin de rajouter quelque chose en dessous, en fait non, c'est bon, ça va le faire en fait.
Ah, si, quand même, si, si, quand même. Je viens de sentir moins plus en dessus. Il y aura quand même besoin. Et si je fais ça avec ça en dessous, qu'est-ce qui se passe? Hop. Hop, voilà, on va coller ça en dessous. Juste le temps de séchage. Comme ça, je suis tranquille. Ça ne... Et ça ne fissera pas. C'est pas beaucoup, c'est juste 1 mm, mais des fois 1 mm ça peut suffire pour décoller une plaque. Donc là on s'en fout, la jointure est pas bien faite, mais on s'en fout parce que de ce côté-là, c'est bon. Donc, il y aura plein de choses qui n'ont pas dessus. Voilà, là, je suis tranquille, ça ne s'enfonce pas, on est bien. Donc ça, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, hein? J'ai plein de chutes de poly juste là, on va avoir besoin des chutes. Voilà. Ce que je voudrais faire, vu que le gain de la MSD. Alors à la base, je voulais faire un socle rond, mais j'ai pas ce qu'il faut pour le faire, et comme j'ai pas le temps de chercher pendant 3 ans, bah, du coup, on reste sur un socle carré. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Vu que le gain de la MSD, donc, ici présent, c'est un format un peu difforme, pour, un peu comme pourrait l'être une pop en fait, même si on n'a pas une grosse tête. Du coup, sur le socle, je vais pas faire un socle droit, je vais faire. Légèrement bombé, bon léger, on n'a pas besoin de faire un truc de ouf léger, mais on va légèrement le bomber. Pareil, le bois ça pèse rien, hein. C'est super léger ce que j'ai dans les mains. Il sera un peu plus fini parce qu'on va utiliser un peu de pâte à modeler, un peu de sable, ce genre de choses, mais voilà. Donc, on va utiliser quelques chutes de poly déjà pour essayer de former un peu notre arrondi, même si on va pas utiliser des grosses chutes de ouf, parce que je veux pas faire non plus un arrondi de bâtard, mais je veux quand même un petit arrondi. Alors, est-ce que j'ai des chutes un peu plus fines peut-être dans le coin? Parce que là, en termes de. Limite là, le point culminant par ici. Sachant que au point culminant, on va utiliser. Ah, je l'ai mis où là. On utilisera notre petite baguette. On va le tester vite fait. On va y mettre dans le cul. Hop. Voilà. Bon là c'est du poli, je le ferai pas, ce sera pas du poli, hein. On va couler un petit bout de plâtre, d'une matière dure du moins. Comme ça bougera pas. Et là, par exemple voilà, il sera un peu comme ça. Il sera au-dessus. Je pourrais peut-être réduire la hauteur, tout va dépendre de comment va arriver notre dôme. Je ferai juste que je prévoie l'emplacement de la tige. Et il sera en hauteur comme ça par-dessus. Avec les pics qui vont reprendre un petit peu pour avoir plus la pose. Je suis en l'air. Et puis voilà. Et vu que notre surface aura vraiment une couleur différente de notre figurine, on va vraiment créer un contraste qui fera que notre figurine, on va vraiment la ressentir. L'idée, c'est un peu ça. Donc pour l'instant, tac, ça, on pose. Tac. Donc souvent, je vous dis, il faut mettre, essayer de faire un tiers, deux tiers pour avoir une belle mise en scène, machin. Mais là, ce n'est pas valable sur un petit socle comme ça. C'est pas du tout valable, parce que je vous remarquez. Je dis ça, mais si je le mettais par ici... Je pourrais aussi, plutôt dans ce sens-là, je pourrais aussi le mettre comme ça, vous me direz, dites. Si je le mettais par ici, plutôt qu'au milieu. Ouais, si, après tout, en le mettant par ici. Ouais, mais non, parce que l'effet arrondi, le problème, c'est que je me ferai au milieu, ça va pas faire voilà. Ouais, donc, non, faut que je laisse au milieu. Faut que je laisse au milieu. Parce que l'effet arrondi, il sera pas cohérent sinon. Donc, voilà. On boire un petit coup. Qu'est-ce qu'il y a, David? Ça me donne soif. Ouais, toujours, ça me donne toujours soif. Donc, on a ça qui ira en gros vers le milieu. Et ensuite, il faut qu'on tourne sur les côtés. Après, on va combler avec de la pâte à modeler tous les trous. Hein, mais d'ailleurs, il faut que je mette à chauffer mon petit pistolet à colle chaude. On va pas attendre 3 heures que la colle sèche. Pour ce qu'il y a à faire, la colle chaude, ça suffira largement. Hop. Voilà, c'est branché, ça chauffe. Tac, tac. Alors. Là, j'ai des vieux déchets de colle. Tout ça, c'est les chutes du diorama Harry Potter, tout ça. En tout cas, vous voyez, ça va servir, les chutes. Hein.
On va même réduire un peu. Je réfléchis. En même temps, je réfléchis. Il faut que j'essaie de faire ça et en même temps, alors faut qu'on fasse ça et en même temps, faut que je fasse des mini cratères dans ce côté un peu bombé. Qu'est-ce qu'on a de petit déjà dans la bonne forme? Ce genre de choses. Hop, ce genre de choses, ce genre de choses. Sachant que là, on coulera un petit bout de plâtre par ici. Donc cette partie-là, on va se la creuser au milieu. On met bien un petit emplacement qui ne coule pas partout qu'on va mettre du plâtre. Hop. Un peu comme un coffrage, si vous voulez. Ça va agir un peu comme un coffrage. Donc forcément, le plâtre, on va le couler avant de poser notre pâte à modeler. Hein. Après, en posant la pâte à modeler, on va pas attendre la fin du séchage du coffrage. On s'en fout, ça séchera quand même. L'avantage du plâtre, ça sèche pas grâce à l'air, ça sèche grâce à une réaction chimique. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus grave si on n'attend pas. Puis franchement, j'ai pas trop le temps d'attendre en fait. Hop. Sur le milieu, on passera notre petit morceau de plâtre. Tac. Ensuite, est-ce que c'est déjà ça? Ça marche ou pas? Ouais, c'est bon. Hop. Tac, et tac, voilà, donc ça c'est bien, hop hop hop, voilà. Tac. Voilà. Donc, viens, hop, ça c'est bon. Ensuite, une dernière petite là, toute petite petite. Puis ça va quelque part. Histoire de combler un peu certains petits vides. Pas vide. Pour limiter la quantité de pâte à modeler à poser en fait. C'est plus pour ça en fait. Hop. Voilà. Qui nous permet de nous aider à créer du relief de façon plus ou moins aléatoire. Donc, petit bout de crotasse. Et des petits bouts quand même. Voilà. Hop. Tac. Voilà. Hop. 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 Tac, ok, voilà. Tac. Ouf.
Tac. Ouais, pas besoin de faire des petits trucs de ouf. Notre but pour l'instant, c'est juste de nous aider à rejeter un peu de relief sur notre, qu'on utilisera après sur notre pâte à modeler. De façon à ne pas galérer sans utiliser trop de pâte à modeler, parce que mine de rien, bah, plus on utilise déjà, plus ça risque de mettre du temps à sécher, plus on a de risque de fissure de pâte au cas où, même si celle-là, je pense qu'il y a très peu de chances qu'elle le fasse. Et plus ça coûte de l'argent, ça coûte plus cher la pâte à modeler que le polystyrène. Du coup, autant utiliser ça. Hop. Oui. Non, je baille. Ah d'accord. Ce coup-ci. C'est quoi demain, c'est l'anniversaire de tes enfants? De tes enfants, c'est ça? Je me trompe pas? Ouais, c'est pas fini. La fille, ok d'accord. Je ne me plante pas. Ouais, c'est facile. De savoir que c'est une fille. Non, pour toi de retenir. Ah oui, retenir la date, ouais. Pas trop compliqué. Donc, on va retirer les petits fils. Maintenant, on va faire un petit plâtre. On va le faire quand même bien consistant, le plâtre. On n'a pas besoin de faire un plâtre qui va couler de partout. On s'en fout. Salut Ashram, tu vas bien? Hop. C'est juste un peu les fils parce que les fils des fois on les voit pas. Et on se rend compte qu'à la fin qu'on est à la peinture et ils sont chiants. On va quand même essayer de les retirer. Même si théoriquement ils devraient tous être enfouis sous quelque chose, on ne devrait pas les voir. Dans le doute, je préfère quand même les retirer, comme ça je suis tranquille. Donc. Toc. Après tout, je crois que la meilleure solution c'est de faire ça pour être sûr de ne pas enfoncer ma plaque en dessous. Ça c'est bon. Alors j'ai dit que j'allais faire du plâtre. Bah écoute-toi, moi ça va tranquillou, tranquillou. Je vais aller chercher mon plâtre. Mon plâtre, qui est là. Voilà, bien là le plâtre. Alors mon plâtre est là. Ouais, je vais tourner ça pour que vous puissiez me voir pendant que je fais ce que j'ai à faire. Il me faut un récipient pour faire mon mélange. Et là, j'en ai un bien d'ailleurs. Hop, on va retirer toute la couche de colle qui est dedans qui va à la poubelle. Tac. On va mettre un peu de plâtre dedans, mais pas besoin d'en mettre des masses non plus. Voilà, je pense que ces trois trucs, ça suffira largement. Ensuite, nous allons mettre un petit peu d'eau dedans. Nous allons mélanger. Avoir cette pâte. Voilà. Maintenant, on revient par ici. Voilà.
Alors. Ah, j'en ai pas mis beaucoup. Hein. Je pense pas qu'on ait besoin d'en utiliser beaucoup. Ça met bien à niveau, ça remplit bien les trous. Donc ça c'est bien. Hop, voilà. Ensuite, essayez vite fait de combler quelques trous, quelques gros trous comme ça. Bon, ce qui dépasse là, au pire, ça c'est pas grave, hein, un petit coup de ponçage. On fera faire un coup de ponçage à un moment ou à un autre, donc voilà quoi. Alors, si vous n'avez jamais travaillé de plâtre, vous verrez que le plâtre, mine de rien, ça durcit relativement vite. Et que quand il commence à durcir, les gars, ça sert à rien de rajouter de l'eau pour le ramollir, hein, ça marche pas comme ça le plâtre. Le plâtre, il va quand même durcir au bout d'un moment. Le plâtre, vous jetez dans l'eau, il va finir par durcir. Même s'il est plein de flotte. Après un plâtre sec, vous remettez de l'eau, il va pas ramollir, mais il va pourrir par contre au bout d'un moment. Donc le plâtre n'est pas un produit qui est fait pour contrer l'humidité. Bien au contraire. Il va s'imbiber d'eau, il va avoir des moisissures, il va s'effriter, etc. quoi. Doucement, on obtient doucement notre petite forme. Elle n'est pas exacte, mais on s'en fout. Il suffit de l'avoir grosso merdo. Hop. Salut Rémi. Ah, toi aussi, tu es sur un ganam. Ouais. D'ailleurs, il me semble que j'entends pas ta voix, Rémi. Il me semble. Je sais pas pourquoi, mais il me semble que ta voix ne résonne pas dans mon oreille tout de suite, maintenant, immédiatement. Bon, attends, c'est vrai que t'as eu peut-être ta dose puisque t'as passé 2 jours avec moi au Hero Festival. Mais bon, j'entends pas ta voix. Je confirme qu'on n'entend pas sa voix. Ah là, même David, il dit la même. Même Stéphane, je Normal. l'entends ronfler la même chose. En même temps, moi je suis là, mais je parle pas beaucoup, hein, tu sais. Oui. Bon, en même temps, tu parles jamais beaucoup. Tu parles jamais Parce beaucoup. que T'es là, mais. je suis là. Si Voilà. tu m'appelles, je réponds. Parce que je travaille. Bouddhi, un fonctionnaire qui bosse, bordel. Ah non, c'est vrai que Je t'es pas travaille. fonctionnaire, toi, avec toi. Non, mais je travaille aussi, moi, maintenant. Avant, je faisais que te regarder. Maintenant, je travaille en même temps. Sinon, je n'avance pas sur mes projets. J'aime bien te regarder, mais ça avance pas les miens. Voilà. Oh, j'en ai marre. Oh putain, Bon, déjà, la ça a neige déjà statique, commencé vraiment de la merde. à durcir ici. Là, hop, je vais lisser un peu avec mon doigt. Parce que j'ai pas envie d'avoir un petit relief de ouf. C'est que pour donner une forme à ma structure. Hein. Après, les reliefs, on les fera autrement. On fera des cratères à la pâte à modeler, quoi. Bon, il sera pas de fimo, vraiment, plus une pâte à modeler qui sèche à l'air hein, avec la plastiroc. La fimo, c'est plus fait pour les sculptures, là, pour ça, je pourrais. Sinon, je pourrais pas mettre ça au four parce que le polystyrène, ça fond. C'est pour ça que le polystyrène fond. Ça caca. Un peu. Voilà.
Toc. Je vais me rincer mon doigt, les gars, je reviens. Je vais rincer mon petit doigt. Voilà. On s'essuie la main. Et on est de retour. Donc je sais pas si vous le sentez à la caméra, mais c'est déjà, ouais, mine de rien, c'est déjà un peu dur, quoi. C'est pas dur, hein, je peux pas, j'appuie, ça va s'enfoncer. Mais il n'y a plus le côté liquide, machin, c'est plus malléable comme ça l'était tout à l'heure, quoi. Voilà. Ça, on débranche le pistolet à colle, ce qui sert plus à rien. On boit un petit coup. Je vois que Rémi n'est toujours pas parmi nous. Ah. Toc. Alors. Du coup, je vais retirer ça par contre. Parce que ça sert à rien. Oulie. Hop. 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 Voilà. Donc, maintenant sur ceci, nous allons utiliser cela pour redonner une autre forme grosso modo, et ensuite on va sculpter des petits, sculpter, dessiner, appelle ça comme on veut, des mini cratères. Et ensuite l'ensemble, je pense qu'on va le recouvrir. Si, je suis là. Non, t'es pas sur le Discord, donc non, tu n'es pas là, Rémi. Non, on va recouvrir l'ensemble après de sable pour terrarium. Parce que le sable pour terrarium est beaucoup plus fin. Donc le rendu sera plus sympa avec un rendu de ce type de sable. Sera plus cohérent avec ce qu'on veut. Bon, je précise que la pâte c'est vrai que c'est pas non plus la pâte à modeler qui coûte le plus cher. Mais pour ce qu'on va faire, ça suffira largement. Ah, je mets encore un fil de colle à bois, de colle chaude. Ah, monsieur Rémy est de retour. C'est dommage, Stéphane n'est pas là. Tu ne vas pas pouvoir le narguer. Je sais pourquoi il est pas là, justement hein? à cause de. Il est pas là justement à cause de ça. Le pauvre. Monter un peu le volume de. Voilà. Quoi de neuf, mon Rémi? Ah, ça va, écoute, attends, j'ai bougé, j'ai changé de pièce. Ouais. Ils ont tous un lit, là. Alors bien sûr, en temps normal, quand on a le temps, on pose pas la pâte tout directement sur le plâtre. Hein. C'est juste que là, bah écoute, j'essaie d'aller un peu plus vite hein, parce que allez, je suis en place. c'est dans pas longtemps. Ah, t'es en place, t'es sur Fortnite et ton fils? Non, ça y est, je viens de le foutre au lit. Et puis moi, j'ai terminé, j'étais pareil sur mon hélico, j'étais en train de terminer, et puis ça finit par la catastrophe. T'as tout cassé? Non, j'ai renversé. De l'alcool ménager sur moi, il y en a partout où j'étais dégoûté. Est-ce que les fringues s'en sont sorties? Ça pue. Ah. Donc tu sais quoi, j'ai dit 22h, je l'arrête, et puis quand j'ai tout rangé, j'ai tout nettoyé, j'ai eu que t'étais en live. Ah bah voilà. Je sais pas si, mais tu m'as pas envoyé un message sur le téléphone? Si, j'ai envoyé un message sur le groupe, sur Ah, notre j'ai pas groupe. fait gaffe. Hop, ouais, j'ai vu que tu étais seul à pas l'avoir vu. Ouais, j'ai même pas vu encore. J'ai le téléphone, il doit être je sais pas où d'ailleurs. Regarde si Tu ton vois gosse que je l'a pas volé. Ou s'il l'a pas laissé au héros. Oh putain, arrête. Tiens, regarde, il entend. Viens parler. Dors, toi. Ouais,
Voilà, bon, il s'est quand même bien amusé ton gosse au héros, non? Ouais, c'est éclaté. Ouais, bon, voilà, c'est le principal. Tu vas faire quoi comme Gundam? Celui-là, vous l'avez déjà vu, celui-là, là. Attends. Parce que là, je suis que sur Discord. Ah oui, Quand je que sur passe. Discord. C'est Bon, sur le... Discord, on pas toujours bien. Ah Comment? oui, Ouais, celui-là, oui, c'est vrai. Moi, ça y est, j'ai attaqué les miens aussi. t'as qu'à attaquer les tiens. J'étais obligé. Ouais, ils ont été rapides à arriver. Bon, ça a mis, je sais plus, pas 3 jours. Ouais. Ouais, ça allait vite. Mais bon, vu que Bon, j'en ai vas-y. jamais fait, il faut que, tu sais, que je calcule comment je dois monter, comment je dois arrêter pour peindre, pour remonter après. Ouais. Vu que j'ai pas trop l'habitude, j'y vais à tâtons. Bon, tu vas voir, ça vient sans problème. Ouais, mais il y a des trucs qui me plaisent pas trop, donc je fais des petites motifs. Qu'est-ce qui te plaît pas trop? Par exemple, tu sais, il a un gros pistolet et t'as le bout. En fait, si tu préfères, la poignée en deux parties. Donc t'as la poignée et la partie avant. Ouais. Et des fois, ça tourne, tu sais, ça se met à droite ou à gauche. Donc moi, avec du milliput, j'ai carrément soudé la partie du bas. Ah d'accord, ok. Qu'après, je vais repenser et ça fera que qu'un seul ensemble. Ça pourra plus bouger après. D'accord, Après, pareil, tu sais, il a un gros bazooka, ça fait des petites rainures, ça fait pas propre. ouais. Donc là, je les ai recouchés aussi à la milipute. J'attends que Ouais. ça sèche. Demain, je ferai un coup de ponçage. Et puis après, je vais les apprêter pour la mise avant la mise en peinture. Ouais, tu parles des traces de moulage là, et de jointure entre les pièces. Non, je pense que c'est comme ça. Il doit avoir Ah Regarde, d'accord. l'autre qui se lève. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Je peux vous parler. Oui, je suis avec David. Oh, je vais être... Et oui, je suis avec David, regarde. Ouais. Ah, tu fais coucou. Salut. Salut. Tu vas bien, monsieur? Je te demande si tu vas bien. Très bien. Parfait. Tac. Mais je ferai le décor où je mettrai carrément les deux ensemble. Genre, il se tape. Non, il y en a un qui sera sur le point de mourir. D'accord. Donc je pense que je vais carrément lui couper un membre avec. Je vais refaire des. Tu sais, comme des fils hydrauliques. Ouais. Mais le problème c'est que j'attends de la peinture spéciale là de chez Green Stuff. Ouais. De la peinture fluo. Et tu la reçois quand ta peinture fluo? Ouf, chez Green Stuff, ça vient d'Espagne, c'est plus long. Faut compter entre 2 et 3 semaines. D'accord. Non. Ah bon, à ce point-là chez toi? Ouais, Salut c'est long. Anthony. Euh, Je au vais début, je continuer. prenais par chrono... au début, je prenais par Chronopost, mais même par Chronopost, ça met. Déjà, tu payes le double en frais de port, et puis ça met plus d'une semaine. Alors après, je suis pas une semaine près. Parce que moi j'ai commandé l'année dernière, j'ai reçu cette semaine, enfin même pas une semaine. Tu l'avais pris J'ai en fait cours en normal ou en un petit peu fort normal. Ah non, putain, moi à chaque fois c'est plus long, ça fait au moins 2 semaines. À moins que là ça va vite, hein, je sais pas, écoute, hein, j'ai commandé quand les vendredis, j'ai dû commander lundi ou mardi. Donc écoute, on va voir peut-être début de semaine prochaine. Mais toi t'es dans le sud là. Donc ça vient d'Espagne, moi ça vient de Hollande. Ah ouais, non, mais moi je commande directement chez Green Stuff. Oui, moi aussi, mais je pense que qu'il doit avoir plusieurs points, tu vois, en Europe. Et moi, Ouais, c'est possible. Ouais, c'est le colis possible. de Surskou, c'est l'Irlande, quoi. Donc, je suis dans le Nord. Non, moi ça vient directement d'Espagne. Ah, À mon ben, pas avis, tu dois du tout. avoir. À mon avis, t'as la douane à passer, je sais pas. En pensant c'est l'Europe, ça devrait aller plus vite, mais je sais pas. Ouais. Moi, les Hollandais, ils sont efficaces, tu sais. Ah, bah oui, tous les pays nordiques en général, ils sont opérationnels. Ça traîne pas. Tu commandes en Allemagne ou quoi, mais mec,
qu'ils sont là pour bosser. Bah, c'est latin. Tu sais que dans le sud, on est lent. Ouais, bah, c'est tout ce qui est latin, c'est un peu plus tranquille, quoi. Bah, c'est doucement le matin et pas trop vite l'après-midi. Ça, c'est la fonction publique française, ça. Ouais, mais nous on est tous dans le sud, on est tous comme ça. Nos stress. Mais je pense qu'en peinture, je vais m'éclater avec les Gundam. Oh, c'est kiffant, hein. Moi j'adore. C'est moins kiffant à peindre les Gundam. Mais je vais essayer d'en peindre. Il faut que du Battle Damage. Parce que là, c'est long parce que t'es vraiment obligé de peindre pièce par pièce. Donc t'es obligé de le monter déjà une fois pour voir si tout vient. Faut prendre en compte que quand tu le montes, faut le redémonter. Donc faut qu'il y ait des pièces, faut pas l'éclipser complètement. Après, faut tout redéclipser. Faut tout retrier parce que tes pièces, du coup, elles sont plus grappées, tout ça. Donc elles sont plus numérotées. Faut que tout tu tries, tu repères, tu ris, machin. Et ensuite, tu repeins, tu réassembles. C'est très très long. Non, je confirme ce que j'ai eu. Mais par contre, je pense que je peux le repeindre comme il est, tu sais, comme ce qui te référence. J'ai pas compris ce que tu as voulu dire en fait. Bah, je vais choisir une autre peinture. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, de toute façon, j'ai envie de dire, le Gundam il est à toi, donc t'as le droit de mettre la couleur que tu veux. On va le faire rose pastel, tu pourrais. Hein. Je pense que les puristes vont se tirer les cheveux. Ah, ça, c'est possible. De toute façon, je pense que dans toutes les licences, t'as Ratchaud le puriste qui va partir du principe que si le truc il est blanc, bah, faut le peindre en blanc. T'as celui qui n'a rien à branler, qui a juste envie de te faire plaisir, il se fera plaisir, quoi. Tu fais quoi de beau? Ouais, alors, je vais. Si tu te souviens avoir. Excuse-moi, Rémi, je réponds vite fait au chat. Vas-y. Si tu te souviens, on a une vidéo où je parlais de ce Gundam là, où on avait fait la peinture avec Pascal. Pascal Trezatwork. On avait fait donc peinture Candy, donc peinture effet métal sans peinture métal. Et bah, du coup, en fait, on va y faire un petit socle lunaire pour l'exposer au TGS. Puisqu'on. À la fin du mois, on sera au TGS. Voilà, c'est ça que je fais. Donc, c'est pas un truc de ouf, mais c'est juste que bah faut que je fasse maintenant en fait. Hop. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que le logo Shinsekai il a plus rien à faire ici du coup. Parce qu'on est plus, voilà, on est plus sur le logo Harry Potter. On est plus sur Harry Potter. Tu fais quoi de beau? J'ai une question. Au final, le vube que tu as rempli de plâtre, il va le servir à quoi? Une fois recouvert. Ah, c'est parce que je vais y planter donc la tige qui est là. Bon, c'est un autre en plus grand, mais une tige qui sera plantée dedans, qui servira à tenir en suspension le Gundam. Seulement, faut quand même assez de matière dure pour que ça ne bouge pas, qu'il n'y ait pas de jeu, que ça s'abîme pas. C'est pour ça que j'ai fait une profondeur. Donc, tu as 2 cm d'épaisseur de plâtre. Comme ça, je pourrais le planter dedans et je sais que ça ne bougera pas. Si je mets que 2 mm, ça aura toujours un petit peu de jeu. Là, complet, ça ne bougera pas. C'est pour ça, en fait, le plâtre. Ça, c'est dur aussi. J'aurais juste à passer un petit coup avec une mini-mèche de perceuse. Et puis voilà, quoi. Le Dremel, je fais un petit trou et puis ça arrive, quoi. Quand ce sera sec. Je le fais que quand c'est sec. Je veux pas que ça il soit fixé dedans. Je veux pouvoir le retirer comme je veux. C'est volontaire. Bien, il dit TGS égale tribunal de grande section. Tac. Après, on va essayer de se faire des. Alors, de toute façon, ça sera peu. Là, je vais le planter vite fait pour avoir l'emplacement. Ça, ce sera par ici. Quoique, je peux déjà faire un pré-trou. Hop, voilà, ça sera par là. Je vous le recouvrirai tout à l'heure, mais c'est juste pour avoir ma marque. Bon, parce qu'on va essayer de dessiner des mini cratères, des trucs comme ça, on va voir. Tout est un an. Ouais, je disais, moi je vais faire quelques modifs, je pense, parce qu'il y a le gun. Je pense que je vais le faire en noir. Ce qui est bleu, je pense que je vais le faire aussi en noir également. Ouais. Il y a le vert, je vais le changer. Je vais mettre un vert plus kaki. Plus, ah, kaki. D'accord. Ouais. Ouais, tu veux vraiment lui donner un aspect un peu plus militaire, militaire moderne. Bah, de toute façon, c'est un militaire, c'est un gun d'un militaire. Oui. Et le Exia, je sais pas encore.
Est-ce que je respecte les couleurs ou je sais pas. Le Hexia, autant bah, c'est de l'armement, mais dans l'univers, il n'est pas militaire, il appartient à une section, on va dire, à une organisation privée, on va dire. Non, mais justement, il faut qu'il morfle cet enculé là. Pourtant, c'est le héros, cet enculé, comment tu lui parles? C'est le héros? Mais justement, il faut que des fois, le héros, il y a bien sûr, il aura une fin. Comment il s'appelle déjà le héros là-dedans? Setsuna? Je crois que c'est je sais plus. J'ai regardé deux épisodes pour m'inspirer un petit peu de l'univers. Déjà, on sent que le poids a changé déjà du projet. Bon, il est pas lourd, mais le poids a changé quand même. Donc voilà, là, on va essayer de. Hop. Tac. Donc, hop. Voir si on arrive à faire un mini cratère ou pas. Ouais, je pense que le mien il fera 4 fois le tien. De quoi 4 fois? Qu'est-ce que tu veux dire par 4 fois? Bah en dimension. Il fera 4 fois le mien. Lequel de mien? Bah ce que tu es en train de faire là. Ah, tu parles du duo? Ouais, du duo. Ouais. Ah, je crois que tu parlais de la taille du Gundam en lui-même. Ah non, 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 non. Bah non, non, c'est du 1 centième. Alors, est-ce qu'on va réussir à faire un petit. Je vais prendre un truc. Est-ce qu'on va arriver à faire un cratère correct? Non, mon petit outil de l'autre fois, il est pas si haut, il doit pas être loin. Hop, il est pas là. Tac, 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 tac. Là, tu pars quand même dans la sculpture. Ouais, on va essayer un peu ça. Alors, je sais pas si ça va marcher, hein, mais on va essayer, on va bien voir. Je suis de refaire comme j'avais fait avec la Fimo en fait. Tu vas le faire carrément en lévitation, le Gundam? Ouais, je pense. Vu qu'il a des ailes, c'est plus cohérent quand même avec son univers. Puis ça la rendra peut-être un peu plus dynamique. Je sais pas, je vois. Parce qu'après, je sais pas. Déjà, il a pas sa couleur de base. C'est qu'il a été, la couleur a été modifiée au repaint. Et puis, je sais même pas ce qu'il est censé faire de base. Je sais juste qu'il est à un moment donné dans un univers un peu. Sur la Lune, quoi, tout simplement. Ouais, parce qu'il s'est lâché complet sur la peinture, c'est pas du tout la peinture d'origine. Non, je crois qu'il est rouge de mémoire d'origine. Mais bon, je peux même pas en être sûr parce que je suis pas ouais, assez. En fait, dans le Gundam, tu peux faire un peu ce que tu veux en fait. Bah oui, hein. Bah, c'est comme une maquette et dans la maquette de base, tu peux faire ce que tu veux en fait. Hein. T'es pas obligé de respecter ce qui était sur la boîte. Non, il est quand même bien souti, même sur ce type de pâte. Sympa. Il est bien là, ton petit outil. De quoi? Il est bien ton petit outil. Ouais, et en fait, j'ai acheté ça chez Cultura. C'est des outils pour travailler la pâtisserie en fait de base. Ah ouais. Et finalement, j'aime bien le rendu que ça. Après, quand tu veux faire la sculpture sur Fimo, je pense qu'il faut que je retrouve le même en plus fin, avec la petite boule en plus fine. Je sais que ça existe. Mais voilà, c'est déjà. Tu sens que. Ouais, en sculpture, j'ai un des outils en sculpture, c'est pas ce qui manque. Entre les stylos à silicone, j'ai aussi, tu sais, les barres de bois avec les espèces de billes en métal là, de chaque côté. Là. C'est pareil, c'est Green Stuff qui le fait, ça. Ouais.
C'était pas mal, t'as apparemment du plus petit ou plus gros. Bah tu vois, j'en me suis servi là pour le Gundam. Ouais. Par contre, la milliput, putain, pour la faire tenir, c'est un peu dur quand même. Et c'est tellement lisse le Gundam que ça, même avec le ponçage, ça a du mal à accrocher. Limite, il faudrait faire une petite couche de d'un après ou d'un vernis mat, une connerie comme ça pour que ça accroche mieux. Non, là j'ai bien mis de façon après. Ouais, j'ai vu. Ok, Google. Mets-moi un minuteur à 59 minutes. Voilà. Comme ça, je suis bien. On a déjà un petit effet cratère, c'est qui est bien. Hop. Alors que, sachant que la texture, là on a une forme, mais c'est pas la texture qu'on aura, donc faut pas s'inquiéter sur. On aura un effet différent Oui, après. tu peux le retravailler après ça. Voilà. Là, je donne la forme, mais c'est vrai que la texture n'est pas du tout celle que je veux. Légèrement granuleuse, mais granuleuse fine, quoi. D'où je vais utiliser du sable de tarium, quoi. Je vais piquer, vu qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup, je vais en piquer dans le tarium de mes geckos d'ailleurs. Je vais pas acheter un sac parce que ça coûte cher, mine de rien, ça pour terrarium. Donc je vais pas en acheter spécialement pour ça. Tu vas le faire tenir comment si tu le mets en l'air? Tu mets un truc transparent? Non, j'ai rien de transparent, ce sera blanc. J'ai pas le temps de fouiller, d'attendre que ça arrive, machin, que ça sera blanc. Après, par terme, je pourrais le changer, parce que je vais faire en sorte qu'il ne soit pas fixe. Donc je pourrais le changer un jour. Ce que fait. Putain, c'est sur quel site? Je sais que tu as un site de maquette où ils font tu sais, des tubes en plastique translucide. Ouais, t'en as plein. Bah, Oops Model, par exemple, ils le font. Et d'autres, tu vois. C'est juste que. Là, c'est vraiment que je suis en galère de temps. Que je dois le produire, de mémoire, je crois que j'ai que 2 week-ends pour le faire. Donc du coup, je peux pas traîner. Mais Donc du coup l'avantage, c'est tu que comme peux c'est une pas pièce qui travailler. sera pas fixe, je pourrais la changer plus tard, tu vois. Pour d'autres conventions, je pourrais leur Mais moi j'ai changer. avancé là cette semaine. Bah c'est j'ai terminé l'hélico là. Ouais. Et j'ai fait le vieillissement, j'ai tout fait, je te ferai des photos, je te les enverrai pas de problème. Mais ça Ouais, marche ça pas. marche. Ça prête bien hein, ton machin là. Voilà, tu parles Ouais, de la ça pâte? c'est. Non, de l'outil. Ah ouais, non, c'est vrai, c'est vrai qu'il est vraiment. J'ai pas. Alors c'était vendu avec tout ça. Il y a plein d'autres outils. Plus pour la pâtisserie, donc ça je sais pas si un jour je m'en servirai. Mais l'ensemble j'ai dû acheter ça à 3 euros. Donc ça va, tu vois. Ah oui. Ils sont en plastique, hein, c'est pas du métal ni quoi que ce soit, hein, c'est vraiment du plastoc. Hein. C'est dans combien de temps le TGS? C'est fin novembre ou début décembre? C'est fin novembre, c'est le 26, 27 ou 27, 28, je sais plus, un truc comme ça. Ouais, donc t'as que ce week-end et le week-end prochain alors. De quoi? Je dis t'as que ce week-end et le week-end prochain pour le faire. Ouais, c'est ça. Donc au pire, si je sens que je passe autant, je ferai peut-être des lives dans la semaine pour finir le projet. Ouais, parce que là tu vas être limite. Hein. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai pas pris le temps d'attendre de trouver des de commander une tige transparente machin. J'enchaîne avec ça et je verrai après. Ouais, t'as bien raison. Mais bon, après, si je me débrouille bien, ça devrait le faire parce qu'au final, je fais ma structure, je la recouvre je la laisse sécher, je recouvre de sable et de colle, je laisse sécher. Après, c'est de la peinture. Salut, Calypso. Calypso. Ah, ah oui, c'est vrai qu'ils arrivent. Ça va mon petit Calypso? C'est vrai qu'à chaque fois les commentaires arrivent d'abord là-haut avant d'arriver sur ce retour-là.
Ouais, je l'ai vu sur YouTube. C'est impressionnant que vous voyez tous les commentaires avant moi. Pourtant, je suis le principal intéressé. Je suis le dernier à voir arriver les commentaires à chaque fois. Ça rend son de la gloire. Je suis quasiment sûr que Stéphane est venu de se faire cambrer. Stéphane? Bah, il est ouais. Parti dormir. Il a eu une journée très fatigante, apparemment. Bon, ça va alors. Donc, il a fait un petit coucou dans le textuel sur le groupe Facebook, sur le groupe Messenger, qui nous a dit que il est trop fatigué pour venir et qu'il partait faire dodo. Du coup, on sera payé la prochaine fois, c'est pas grave. Tant qu'un jour je coupe mon téléphone. qu'est-ce que tu nous fais? Alors, est-ce que tu te rappelles de ce Gundam qu'on avait traité en live et en vidéo avec Pascal? On avait fait donc peinture effet candy, donc effet métal sans peinture métal. Et bah, pour l'exposer au TJS, on va y faire un petit socle lunaire. Une lune. Donc je dois pondre ce petit socle pour la fin du mois. Donc là j'ai fait grosso modo une petite montagne. Là je vais faire des petits cratères et on fera une texture plus tard. Je vais refaire, je sais pas si je le fais là ou là le deuxième. Ouais là puis je vais faire des petits, je sais pas, je vais faire un gros là-bas plus tard. Petit gros cratère par là-bas. Tu fais ça, tu me rappelles Ghost. tu veux mettre tes mains autour de ma taille ou quoi? Je te fais fantasmer à ce point-là? Ah, j'arrive de toi, tu le savais pas. Bah, je vois ça. J'ai pas une vraie connerie. Bon, vas-y, te gêne pas. Non, je peux pas, c'est une privée de joke. J'ai pas compris ce que t'as dit, David, du coup. J'ai failli dire une connerie. Ah, d'accord, ok. Ah, une connerie qu'on peut pas dire sur YouTube, c'est ça? Voilà. D'accord. Bah, ne la dis pas, alors. Non. Du coup. Lipsou, il fait ses demi-mours un peu moins sexy. Demi-mours en moins sexy. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Des mimours en moins sexy. Tuck. Je vais mettre dans l'autre sens, ce sera plus facile à voir pour le chat. YouTube, je veux dire. Ouais, je me rappelle de cette peinture. Et bah voilà. Donc, du coup, une lune. Et on va faire des cratères et on travaillera la texture plus tard avec autre chose. Hein. C'est juste la forme et la texture. Ce n'est pas du tout la texture que tu auras après. Je travaillerai la texture avec du sable de terrarium. Comment tu vas bien, Willy? Le Discord est ouvert, Willy, si tu veux venir. D'ailleurs, Calypso aussi, un Discord est ouvert hein, pour ceux qui veulent venir papoter. Je rappelle qu'il n'y a pas de restriction, n'importe qui peut venir. Je sais ce que Willy, c'est que l'autre fois, tu as voulu essayer, mais tu n'as pas pu, ou je sais plus quoi, tu étais fatigué, il y avait un truc comme ça, il me semble. Un petit coucou vite fait. Ah d'accord, vite fait, j'ai pas calculé. D'accord, bah vite fait, bonjour alors. Romanovitch copie.
Un 20 sur 20, ton cadre? Comment? Ton cadre, c'est quoi un 20 sur 20? C'est des. Mon cadre, c'est du. Comment? C'est des baguettes d'angle qu'on met dans les angles de mur pour les protéger. Une longueur de baguette comme ça de 2 mètres, ça coûte 1,50€. Et après, je le coupe, ça coûte rien. C'est simple à couper et tu peux faire des jolis cadres autour. Et ça pèse pas, ça pèse que dalle en plus. Je pensais que c'était un cadre photo. Ah non. Bon, on peut faire ça avec des cadres photo, mais ça coûte beaucoup moins cher de faire ça. Et ça c'est moins lourd en plus. Qui te dit coucou, fini les vacances. Corbanovitch, fini les vacances. Ah oui, attends. Oui, fini les vacances. Là, j'ai repris le boulot cette semaine. Je reste pas, je fais juste une apparition. Mais ouais, peut-être si tu reviens, je ferai un Discord, mais là, je ne peux pas. Bah, je sais pas si je ferai demain soir, ça va dépendre de l'état de séchage de ça. Mais si je peux, demain soir, il y aura un. Ça dépend aussi de la soirée, comme demain c'est un jour spécial, je ne sais pas comment va se passer la journée forcément. Donc voilà, sinon, si je peux, demain je suis là. Je peux pas là, je peux pas vous le promettre. Mais forcément, ce projet-là, on va essayer de finir dans les 2 semaines qui arrivent de toute façon, puisque faut qu'il soit prêt pour le DJS. Donc vous êtes même possible, si ça se trouve, que vous me voyez en live en semaine. Si j'estime que je manque de temps, je ferai des lives en semaine, pour le soir bien sûr, mais des lives en semaine pour pouvoir achever le projet. Ouais, sinon demain tu me laisses sécher, tu fais ce que tu as à faire et puis tu fais dimanche. Ouais, c'est possible, j'y aurai bien. Parce que je peux pas accélérer le séchage, parce que sinon ça risque de fissurer. Donc ça le truc. C'est qu'autant je vais pas le laisser dans mon sous-sol, je vais le mettre dans mon. Enfin au rez-de-chaussée, quoi, donc vraiment dans le salon, qu'il ait une température ambiante un peu plus élevée que celle du sous-sol pour qu'il sèche mieux. Mais je le mettrai pas sur un chauffage par exemple, sinon ça risque de craquer quoi. C'est jamais bon d'accélérer les séchages. Si on n'a pas le choix, bah écoute, voilà, mais. Là, j'ai encore le choix d'éviter ça. Par contre, quand on veut faire sécher, par exemple, une couche de sable mélangée à de la colle à bois, il n'y a pas de souci. Là, on peut y aller sécher, ça ne fissurera pas. Tâche de la colle à bois, c'est quand même quelque chose d'assez, une matière qui est assez souple. Pas souple, je veux dire plutôt élastique. Donc, elle aura très bien ce type de séchage. Mais les pâtes autodurcissantes comme ça, beaucoup moins. Mais dans le temps, ça ne bouge pas. Bah écoute, j'en ai qui sont faits depuis quelques années, ils n'ont toujours pas bougé. Après, c'est clair que ça bougera toujours plus qu'un truc que tu vas entièrement retirer en résine, ça y a pas photo quoi. Quick, car demain, je ne peux pas. Ah bah écoute. On verra bien. On retire un peu de matière ici. Voilà. Hop. Il fait David, je suis sûr qu'il est en train de jouer. Comment? David, qu'est-ce qu'il fait? Je suis sûr qu'il est en train de jouer. À vous. Comment tu sais? Parce qu'on t'entend pas quand tu vois, on t'entend pas, je sais que tu joues. Voilà. Ouais, c'est vrai. J'avoue. C'est, des fois, il est tellement peu présent que tu sais même plus s'il est là ou pas. Ah, t'as jamais été le plus bavard pendant les lives, David. Ça dépend. Oui, ça dépend aussi, je te l'accorde. Enlever mon quart d'heure. Je ne devrais plus plaire. Alors d'ailleurs, il y a un plan que j'y pense. N'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien sur la vidéo, les enfants. Ça fait plaisir et c'est bon pour le référencement. Ce week-end, donc le nouveau propriétaire du Duramat, l'exclamation qu'on a fait en live, il l'a récupéré. Et a fait une vidéo dessus sur YouTube. Donc si vous voulez la voir, la vidéo, c'est sur la chaîne Atlas Ayolos Devi. Si vous le connaissez, vous l'avez déjà vu une fois ou deux sur ma chaîne. Déjà de base, les gars. Et puis vous pouvez aller sur sa chaîne voir la vidéo.
qui a mine de rien a bien marché hein. Par rapport à ce qu'il peut avoir, à ce qu'il peut toucher comme public, elle a quand même bien marché, donc j'étais bien content. Oui, t'es chouette. J'ai pas compris. Elle était chouette, David. Ouais. Et bizarrement, je pense que les gars qui me posent ont dû aller voir sa chaîne parce que il me montrait son compteur, genre la vidéo elle doit faire 20 minutes. Ça faisait pas 3 minutes qu'elle était en ligne, qu'il avait déjà 4 pouces en bas. Ouais, mais et ça sent un groupe de personnes parce que il ne sait pas pourquoi. Allez, 2-3 heures après, les 4 pouces ont disparu. Les 4 pouces en bas. Donc ça veut forcément dire que ça peut dire quelque chose, c'est que soit c'est un mec qui a plusieurs comptes, des faux comptes pour jouer sur ça, soit c'est un groupe de personnes. Par contre, pourquoi est-ce qu'ils ont tous mis tout mis et qu'après ils ont retiré, je peux pas dire. Mais voilà, tu sens qu'il y a des gens derrière qui font mumus quoi. C'était tendu, il fallait boycotter. Ouais, ça doit être ça, ouais. Tac, tac, tac. Je vais refaire un petit par ici, je pense. Allez, j'arrête de jouer. C'est bon. Je vais refaire un petit par ici, je pense, là, et puis voilà. Pas là, mais plus là. Bon, faut pas que ça fasse ça. Je vais faire plutôt là. Et puis peut-être un tout petit par là-bas, je sais pas, je me dérange. Et hop, là. Je vais récupérer ce qui a servi tout à l'heure. Les chouilles, les gars. Bon, continuez, un de ces quatre. Bah écoute, merci. Alors, une femme qui nous dit les chouilles, les mecs, faut quand même faire attention, hein, ça peut être tendancieux. C'est pour toi que je dis ça, Willy. Sinon, bah, bonne soirée à toi, puis bah, rendez-vous au prochain live. Ah, j'ai entendu un bruit de l'échouille là, David. Du tout. Ah bon? Non, ah. Il dit oui, c'est un chat démoniaque qui a disliké. Ah d'accord, c'est un chat démoniaque. C'est possible. En tout cas, c'est d'ailleurs, j'ai pu rencontrer vraiment via hors réseaux sociaux, j'ai pu rencontrer pour la première fois Davy et Juan de la chaîne Universencia. C'était vraiment super sympa, on s'est bien amusé, on a bien accroché, on a bien parlé, on a passé un bon moment. Donc ce fut vraiment bien agréable. Non, Rémi, t'étais déjà parti, je crois, à ce moment-là, t'étais plus là, je crois, non? Oui, parce que je les connaissais pas, c'est pour ça que j'avais posé qui c'était, mais je les connais pas. T'étais là encore à ce moment-là? Ah non, j'étais parti déjà. Ouais, c'est vrai. Ouais, ils sont super sympas. Ouais. Hop. Tac. Voilà. Je kiffe ce petit outil depuis que j'ai découvert, franchement je ne regrette pas de l'avoir acheté. Ce petit outil. Il a l'air d'être sympathique. Ouais, j'avoue. Bon, après j'achèterai le plus fin quand je retravaillerai de la fibo. Mais pour ça, franchement, c'est bien. Ah bon, bien pratique. Puis là en plus j'ai pas encore humidifié la pâte en plus pour la travailler, c'est ça qui est bien. En même temps, je pense que j'aurais pas besoin de l'humidifier, du coup, je cherche pas forcément un truc le plus lisse possible, puisque je vais entièrement recouvrir la matière d'autre chose pour la rendre. Pour changer sa texture, que j'ai pas besoin de la lisser à l'eau. Mais même comme ça, en plus, ma pâte, elle se travaille super bien comme ça. Ok, bien, j'approuve. Je pensais pas que j'aurais autant de facilité à la bosser avec cet outil. Quand même là, les plastirox, ce type de pâte, c'est bien, mais ça a toujours une petite limite niveau avec ce qu'on peut faire, quoi, comparé à une Fimo par exemple, qui est beaucoup plus agréable à travailler, beaucoup plus facile, on peut faire beaucoup plus de choses et tout. Mais là, franchement, ouais, le combo de cette pâte avec ce type de choses, ce type d'outil, je l'approuve. Tu sais, j'ai acheté de la plastiroc couleur
couleur terre, comme ça, parce qu'il n'y avait plus de blanche l'autre fois. Ouais. Ça m'a fait chier parce que j'aime bien la blanche, mais au final, je l'ai pris. Et ben, elle est beaucoup plus agréable à travailler que la blanche. Ah bon? Ouais, elle est beaucoup plus. Ou alors, est-ce que c'est parce que le paquet était neuf, tu vois? Ouais. Mais je l'ai travaillé vraiment super facilement, comme de la pâte à modeler normale, tu vois. D'accord. Alors que la blanche, elle est pire avant de commencer à travailler. Ouais, elle a pas. C'est un peu différent de la pâte à modeler, la blanche, ouais. Tu sens que. Alors que j'utilise un petit truc de différent. La brune, là, elle est super souple, vraiment. T'as Romanovic qui te dit coucou. Je suppose que c'est la Lune ou un gros astéroïde. Ça le ferait pas si tu mets un demi-cratère à voiture avec le bord de ton dio pour faire l'effet de grandeur. Pas bête, j'approuve. Je vais faire ça ici alors, toc, comme ça. J'approuve ton idée. C'est validé, Romanovic. J'y avais pas pensé. Et d'ailleurs, il peut encore servir, ce petit Romanovic. Ah ouais, il peut encore servir, c'est bien. Bonne initiative comme ça, j'approuve. Alors ce cas-là, on va se le faire là-bas. Et en plus, on a un reste de pâte, de tout près. Tac. L'enfoiré. Il faut bien un cerveau pour tes dios. Si je serais pas là, tu n'aurais pas fait autant d'excellent travail. Et c'est que mine de rien, quand tu regardes tout ce qu'on a fait, je parle des lives surtout, tous les lives depuis le début de l'année 2021, puisque les lives, ils auront commencé qu'en 2021. Je parle de vous, tous confondus, tous ceux qui viennent, qui sont présents sur le live. C'est aussi grâce à vous, parce que mine de rien, vous m'orientez, vous m'aiguillez, vous me donnez des idées. Je suis pas réfractaire du tout à ce que vous pouvez me donner. Et mine de rien, c'est que vous m'avez donné beaucoup d'idées. Donc il y a beaucoup de choses qui sont aussi réalisées grâce à vous, parce que vous m'en donnez des idées, vous me donnez des astuces, ce genre de choses. Donc c'est pas faux non plus. Parce que si vous n'étiez pas là, je pense qu'il y a des choses qui n'auraient pas vu le jour encore. Donc, pour tout le monde, Romanovic, t'as pas si tort que ça. Bon, si on peut se rendre utile. Bah ouais, mais c'est ça qui est bien, c'est le partage, l'échange d'idées, parce que pour moi aussi c'est bénéfique. Hein. Mais c'est pas parce que c'est moi qui suis sur YouTube que j'ai la science infuse ou que j'ai la réponse, j'ai toutes les techniques, etc. Ou que ma technique est la meilleure. C'est juste que moi, on me voit, c'est moi qu'on voit derrière une caméra. C'est la seule différence qu'il y a entre vous et moi. Donc, moi j'approuve quand vous me donnez des conseils. Il dit en regardant tes lives, je bosse même plus sur mes duos, surtout quand on fait le vendredi, samedi, dimanche. Mais fais comme moi, Romanovic, je bosse la journée. Moi j'ai bossé ce matin, cet après-midi, et là j'ai fini à 10h. Je sais pas combien j'ai bossé d'heures cette semaine, mais c'est un truc de fou. À ce point-là? Ah ouais, franchement. On arrête. Hein? Encore en arrêt? Ouais, je passe devant la médecine du travail mardi. Ah, ceci explique cela. Hein. En espérant qu'ils m'autorisent à reprendre.
Monsieur commence à se faire chier chez lui. Ah, puis il faut que je reprenne quand même, quoi. Ouais, mais pour le moral, alors. Non, parce que c'est en permanence à la maison. Ça va 5 minutes. Ça fait 3 mois quand même. Ah, c'est Romanovich qui disait quand il regardait, qu'en regardant, il bosse plus sur ses vidéos. Je croyais que tu parlais de toi, Rémi. Non, je te dis ce qu'il dit sur YouTube. Je fais le narrateur. D'accord. Surtout qu'il y en a qui enchaînent vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Bah, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai vachement enchaîné parce que y a un projet que j'ai voulu pondre pour la. Pour le Harry Potter que j'ai voulu prendre pour le Hero Festival, et puis ça du coup pour le TGS, donc c'est vrai que du coup on a enchaîné les lives ces derniers temps, ce qui fait que du coup vous n'aurez pas de vidéo ce mois-ci, enfin la première, parce que moi je vous fais deux vidéos par mois, une en début de mois et une en fin de mois, vous n'aurez pas celle de la première moitié du mois parce que j'ai pas le temps de la produire. En même temps, je fais tellement de live que je pense que c'est parce qu'il y a de plus grave. Mais voilà, la deuxième, vous l'aurez parce qu'elle est déjà tournée, donc c'est pas un souci, elle est déjà dans la boîte. La tournée, montée, tout ça. Mais la première, vous en aurez pas, donc j'essaierai de la faire pour le mois prochain. Alors, on a déjà prévu des gros lives où je travaillerai pas, où il y aura autre chose. Début décembre et tout, donc on a quand même prévu des choses. Donc à moins qu'il y ait des empêchements au niveau emploi du temps, on va essayer de remettre ça en place. Mais c'est vrai que là, du coup, j'aurai vraiment pas le temps de vous produire une vraie vidéo pour les 8 mois, là c'est bon. Harry Potter, bah je pense que celui-là sera plus rapide qu'Harry Potter encore celui-là. Et Harry Potter, bon, il a marché correctement au héros, mais le Sensei a quand même bien mieux marché que le Harry Potter. Mais ce qu'il y a, c'est que le Sensei, bah, il est plus grand, il faisait de la lumière, donc il attirait beaucoup plus l'œil que le Harry Potter. Bon, le Harry Potter a marché très bien auprès des jeunes, ça, il n'y a pas photo. Tac tac tac, on va pas rajouter, ça fera trop si je rajoute d'autres cratères. Ça fera trop. Ouais, faut pas que tu surcharges non plus. Ouais, non, faut pas surcharger non plus. Tac tac. On va refermer ça correctement. Hop, hop, hop. Et il y a madame qui dort bien là-bas. Là, elle est vraiment complètement endormie, la choupette. Ah, ma choupette. Un gros dodo, hein. Donc voilà pour l'instant ce qu'on a pour l'instant immédiatement tout de suite. Donc avec notre idée de monsieur ici présente Romanovich, qui est une très bonne idée, j'approuve, je n'y avais pas pensé et merci à lui. Donc ça on va le fermer. Faut que je prenne le gros scotch, faut pas que l'air rentre pour que ça reste bien humide. Tu mets pas un petit peu de pâte sur les bords parce que t'as des endroits, j'ai l'impression que t'en as pas. Ouais, mais je vais le toucher avec ma texture. Avec mon sable, tout ça, les coins là, tout ça. Mmh. Donc, c'est pour ça que je cherche pas, comme ça me fait encore une légère différence de niveau entre là et là. C'est volontaire de pas le faire. C'est bon ici, ça c'est bien. Du coup rien, si je vais peut-être retoucher un petit peu ce coin là tant que ça sèche, comme ça je pourrais repercer directement le truc. Voilà, hop hop hop, voilà. Et là, j'avoue que là pour ce soir, je ne pourrais plus rien faire d'autre parce qu'il faut que ça sèche. Ouais. Donc là, j'avoue que. Attends. Tu vas faire des empreintes de pas. Non, parce que le Gundam sera en train de voler au-dessus, donc il n'y a pas d'empreinte de pas. C'est normal, tu pouvais pas faire mieux que mon duo Harry Potter avec la grosse dame. J'aime pas me vendre et prendre la grosse tête. Mais t'as toujours la grosse tête, de toute façon. comment? Donc voilà, donc je crois que pour ce soir, pour moi, ça, au niveau YouTube. Je reste sur Discord pour l'instant, mais sur YouTube, on va mettre fin YouTube parce que bah là, ça sert à rien d'inciter pour ce soir. Faut que je laisse sécher. En espérant que ce soit sec pour demain.
Et donc, que vous dire que n'oubliez pas de mettre le petit pouce qui va bien. Et que, ben, que voilà. Donc, YouTube, je vous dis peut-être demain. Je ne me rends pas compte. Est-ce que je pourrais être là demain ou pas? Je peux vraiment pas vous l'assurer. En journée, c'est mort. Je ne serai pas là en journée, ça c'est clair et net. Mais le soir, peut-être, peut-être pas. Je sais pas. Au pire, dimanche, oui, parce qu'on dimanche, ça sera sec, je pense. Hein, quand même, il ne faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Et moi, alors, bah, tu peux venir sur le Discord si tu veux. Alors, monsieur Romanovitch, Discord est ouvert. Et tous ceux qui sont présents, si vous voulez venir sur Discord, vous pouvez. Juste que le YouTube n'a plus d'intérêt pour ce soir. Donc, sur ce, pour messieurs, mesdames, je vais vous dire rendez-vous à la prochaine session YouTube. Sur YouTube. Sur YouTube.